Eh ben, on reprend notre stream live sur les montures. Elle a fait une Julie. J'ai fait une Julie. C'est-à-dire qu'elle a fait un truc. T'as envie de savoir comment? Tu ne sauras jamais. Tu repars sur quoi là? Tordane. Ok. Ouais, c'est le Tordane qu'on n'a pas encore. Il manque deux montures. Une Amalia et puis à toi. Moi, il m'en manque deux, je crois. En tout. Oui. Donc, c'est Sephiroth. Ouais. Mais Sephiroth, lui, il est particulier. Que j'ai pensé si on était que 4 la semaine prochaine, on aura pu faire à Talos, mais je ne pense pas qu'elle l'aurait d'ici là. De quoi? De 20 et faux. Le Ratalos. Si dans le pire des cas on est que 4. Je sais pas pourquoi il est pas là, Elsin aujourd'hui. Genre il s'était inscrit, il était censé être là. Le mot censé n'a jamais été aussi bien choisi. Ouais. Mais moi je sais pourquoi j'étais pas là. Bon, j'étais censé vous prévenir une heure avant, mais. Mais il l'a pas fait. On va dire que je me suis laissé emporter dans mes aléas et j'oubliais en même temps que je parlais à Julie. Focus lequel? Et du coup, je sais même pourquoi il était pas là en fait. Oui, je demande. Oh oui! Accrochez-vous, Julie! Courez sur Julie! C'est vous en plus qu'on faisait ça, Lexéline. De quoi? Quand on le farmait celui-là, on n'arrêtait pas de courir sur Yukino qui était en mage bleu. Peut-être, je me souviens plus trop. Si, il était en mage bleu 60, du coup on essayait de le tuer avec ça. Ah bon? On était sadique à ce point? Oui. Ça m'étonne pas.
Carglass répare, Carglass remplace. Allez. Barrez-vous à tanker la lance. Aïe. Et puis ça c'est vrai qu'à la fille. À la firmité. Ah. Et bah voilà. Et monture. Monture. Allez, mettez-vous d'accord. Bah on fait les lancers et puis on verra qui l'obtient. Bon déjà le piotanage je passe. Ah bah je l'ai eu. Bah du coup t'as tout là Alex? Non il m'en manque une encore, il me manque Sephiroth. Ah ouais le plus chiant. Ouais c'est le plus casse-couille hein. Bon, c'est le vrai seul challenge en vrai. Bah oui parce que il a une. Parce que même en désynchro il faut suivre une espèce de stratégie. Allez, maintenant pour Amaya. Voilà. Mais il y a le. En fait le truc qui est vraiment chiant, ça c'est les bulles là. Enfin, oui les, c'est ça. Ouais, il y a une strat qui dure pas longtemps, mais qui est juste casse-couille quoi. Et c'est juste à cause de cette strat quoi. Il y a deux gros moyens de le faire facilement, c'est soit tu prends un paladin, soit tu prends un érudit. Farm 70, précis. Ça pourrait être marrant. Je suis pas vraiment très convaincu de cette phrase. Eh si, mais par contre, s'il y a un drop de d'objets de boss, putain, ça va se battre. Ah, quand tu vois le prix de certains trucs, genre le. L'abo du kimono de Tsukuyomi, là. En HDV, t'as des envies. Amaya, t'es bon de la chance quand même. Oh bah, c'est vrai, plein de morphidon. Allez, tankez vos piliers. Il y en a une qui le fait pas à chaque fois. Ouais. En fait, si tu le fais, on est pas paralysé. Non. Bah oui, mais faut le dire aussi. Bah, je l'ai fait, j'ai été paralysé aussi. Ouais non mais faut que tout le monde tente normalement. Tout le monde sur le pilier. Vu que Jules elle le fait pas, bon on s'est tous baisés. Ah merde j'ai oublié ça putain. Y'a que Las qui a jamais fait de farmer mon tour avec nous. Si il en a déjà fait. Il a fait Sophia, mais il se faisait avoir à chaque fois. J'ai pas son nom dans ma liste. Normal parce qu'il l'a fait la première fois, et la première fois t'avais pas fait de liste. Ah oui c'est vrai. Oh là là, c'est pas sérieux tout ça. Elle est où ta rigueur de Excelman là? Je sais pas moi ça. Oh oh! Oh, Kyrian? Stop! Sors de ce corps! Ouais, non, mais c'est le disciple de l'autre là. De WD Multigaming. De Valkyria Dusian. Lui il fait des trucs qui servent à rien lui. Des infos que tu peux avoir sur Google. C'est pas Google qui va me dire quelle monture vous avez. Mais, rire, hein. Mais quel enfoiré. Ouais, pour la peine, je la soigne, vas-y. Oui, je la soigne aussi, donc elle descend. Voilà, elle est plus qu'en péril du coup. Aïe. C'est pour le donjon de tailleur au paladin. C'était très chiant en vrai. Ouais. J'ai jamais fait un mante-neige où les boss duraient aussi longtemps, genre. Mais
Le Yeti, je suis tombé sur un mec qui faisait que lancer les boules de neige, ça commençait à plus être couille, genre. Ah là là. Lui a été éclaté. Bon, du coup, ça a été rapide. Hein. J'ai dit une fois, il a rien fait. J'ai dit deux fois, il a rien fait. J'ai dit trois fois. Il a commencé à parler. Oui, tu connais les strats, nanana. Allez hop là, fin du boss. Allez, t'as cassé les couilles, bye bye, on en parle plus. Ah, il était, vous l'avez viré? Ah, je l'ai, oui. Bah, la ILE c'était Julie et le DPS c'était Bard, donc Ouais, donc en gros, c'était trop facile d'en virer un, quoi. Oui, bon, c'était pas trop facile, c'était s'il y en a un qui lançait un mode kick, il était viré, c'est tout. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment le fait qu'il demande là, qu'il demande, ouais, vous connaissez la strat ou moi, nanana. Connard, ça fait 4 fois que je te dis qu'il faut que t'arrêtes ce que tu fais là et tu continues. Ah là là. Nye. À la lance. Ah, je vais devant, toi. Ah, ça suffit pas. Hein. J'avais fait des tests avec avec les gars avant. Hein. Et hop, suppositoire. L'œil de Sauron. C'est tellement simple. Il voit tout. Il sait tout. Il perce les nuages, l'air et même la chair. Vous savez de quoi je parle, Gandalf. Monture. Monture. Eh bah putain. Oh mon dieu. Mon dieu, deux fois d'affilée. Cette chatte. C'est le moment là, par contre. Hein. Pauvre Bart. Ah bah non, là. Bah lui, pour aller faire à deux. Est-ce qu'on peut aller poser des. Est-ce qu'on peut aller allumer des cierges? Là, c'est dommage quand même. Il manque 3 montures à Maya. Les 3 ouais. Dernières. C'est vrai. Et donc 2 qui sont ultra simples à avoir. Ah, Sophia et Zurvan. Sophia et Zurvan, ils étaient faciles à avoir? Oui, ouais. Zurvan, c'est juste que t'as bourriné comme un débile et voilà, on en parle plus. Et Sophia, faut juste regarder la balance. Oui, c'est vrai que Sophia. En fait, on mourait plus parce qu'on faisait les cons, quoi, dans mes souvenirs. Oui, c'est ça, oui. C'est parce qu'on essayait de se troller, tu sais, avec les secours pour les healers. C'est dommage, j'avais pas fait normal. Attends, c'était quoi le jeu qu'on avait inventé avec. C'était. Le tapas de couilles avec le. Non, mais. Faut laisser avec Lynn, il fallait faire un truc avec Lynn et je me souviens plus c'était quoi le délire. Il fallait faire le truc pour pas être. Ouais, stoïcisme, et après stoïcisme. Tu fais secours. Secours sur quelqu'un. Du coup, toi tu bougeais pas et lui il se faisait jarter. C'était trop marrant, ouais, putain. C'est bien le seul expert 60 où tout le monde a envie de ta guille. T'as vraiment de la chance à Maya, toi quand même. 4 montures. 4 montures en une soirée. Après, contre toi, ça fait 5. Ouais, 5 parce qu'il y a le poney aussi. Et 6 si tu comptes Kirin. Petit poney. J'avais déjà d'avant. Le poney. De Ramé. Non. On en avait que 5 là des montures. Enfin, ouais. Ah oui. Ah bah le voilà mon carbuncle jaune. Mais. Bon. Mais t'as vraiment trop de chance. Eh, tu veux pas ramener ta chance quand on fera les Camus? Camouille, j'en ai déjà deux. Tiens, faudra mettre à jour ton fichier Excel si t'en as un, Aline. J'ai 15, mais du coup. De quoi? Bah, pour les Camouilles, pour les 70. Oui, je l'ai pas encore fait, Aline, 70. Oui, bah voilà. Bon, ouais, faudra mettre à jour. Que certains d'entre nous en ont déjà, quoi. Lequel, Lex? Attends, j'en ai deux, moi. J'ai le Camouille de la Splendeur et le Camouille de la Grâce. La Splendeur, c'est qui? C'est Susano? Aucune idée. Je sais pas comment je l'ai eu. Il est bah j'ai le bleu et le blanc. Voilà, si tu veux les couleurs. Ouais, Susano, j'ai Susano et Ananas là. Je sais pas qui c'est. Lakshmi. Lakshmi, c'est plus facile. Grâce, c'est Lakshmi. Ah, c'est la bimbo là. J'ai pas encore fait la liste. Lakshmi, on est d'accord que c'est une bimbo quoi. Ah, il y en a une, elle la trouve vachement jolie. Quoi, le blanc? Hein le camouille blanc?
Non, Lakshmi. Ah. Voilà. Je... Voilà, voilà. Ça parle mal par ici. Tout à l'heure, quand on l'a fait, t'as dit que t'as... c'est ce que t'as ouais. dit. Ouais, ouais. Et moi, j'aime bien. Et il te manquait pas de... la fin de Alexander, Lex, toi ? Non, pas... Alors, Alexander, ouais. Attends. C'est quoi ? C'est un raid, c'est ça hein ? Oui, c'est raid. Normal. Donc, les 4 derniers, je crois. Alors, Alexander. Non, ça, c'est les sadiques, ça. Le point du père, le poignet du père, le bras du père, le fardeau du père, et je m'arrête là. Fardeau du père. Oh, t'es là, d'accord. Le dernier tas, c'est le fardeau du père. Quoi ? Le dernier tas, c'est le fardeau du père, alors. Ouais. Ouais, t'as fait beaucoup, on dirait. De quoi ? T'as pas fait beaucoup de Alexander ? Bah, non. Ça taguait pas, j'en ai pas fait beaucoup. Mais Alexander, le... Je joue à 1, 2, 3 soleils. Le problème. Ça peut se faire vite faire, plus ça. Par contre, le fardeau du père, ce qui me fait chier, il y a un truc qui m'emmerde. C'est le fait que je l'ai fait, donc du coup, il faut que je fasse la quête suivante. Fais toi. C'est le prix de Cyrino. Je sais pas si je l'ai le. Ah oui. Parler à Wedge. Tiens, c'est... attends, il faut que je fasse la suite de la quête d'Alexander, parce que je l'ai pas fait en fait. Je l'ai pas débloqué la suite. Ouais. Bah, faut que tu parles. Ouais, mais ça m'avait saoulé déjà que pour faire le fardeau du père, j'avais tagué pendant 30 ans, quoi. Ça m'avait juste gavé. Va... J'aime bien, on les fait en synchro, tu sens. 4,80 des synchros, ça va vite. C'est ce qu'on a fait pour Amaya. Bah, pour nous tous, hein. Il y avait toi qui l'avais complété. Hein. Ah, oui, j'ai complété déjà avant. Donc, Elsine, moi, on était rendu au tout dernier. Et Amaya, on lui a tout fait. Je veux dire qu'à la base, c'était juste viens, on va te débloquer les raids normaux. Donc il a fini Alexander. Voilà, si tu veux qu'on fasse Alexander, c'est fait. Là, je sais pas, il m'en reste combien à faire là. Alors, vu que t'es fardeau du père. Mmh. Alors... Tu veux juste 8. Je te donne à faire les balles. T'as 8 encore ? Oui, il y a 12 au total. Putain ta race. Bah il y a le fils et il y a le créateur. Mais vu qu'on est en synchro, ça va beaucoup plus vite. Mais je pensais que t'avais beaucoup plus. Non. Mais je t'avais dit que je savais plus du tout où j'en étais, moi. Ah, t'aurais pu venir alors pendant quand on a fait ça. Bah, fallait me proposer surtout. Je savais pas, moi, que vous les faisiez. On faisait ça après Eden en plus. Tu sais que je savais même pas que vous les faisiez. Hein. Tu m'en as jamais parlé. Hein. Je disais après qu'on m'y attendait. On faisait deux Eden et après on faisait. C'est vrai qu'il y a aussi plus tard les Bahamut. Et normal ? Ouais. Bon, ça on pourra le faire à deux en désynchro. Ouais. Bah, les Bahamut, c'est bon. Avec Bart, c'est comme ça qu'on les a fait, nous. Les Bahamut, c'est bon pour tout le monde, non ? Bah, non, pas pour Amaya, du coup. Ah, ok. Salut, c'est moi. Mais ça, tu peux. Avec un 80, tu peux le faire tout seul. Hein. Oui. Mm. Bah, non, pas tous. Il y en a que tu peux pas. Là, pas tous, Seuls les boss, tu peux pas les faire tout seul. Il y a que les non, boss. Non, il y a le premier, tu peux le faire, le deuxième, tu peux pas, et le troisième, l'avant-dernier des abîmes, tu peux pas. Ah bah ça y est, j'ai débloqué le fist du coup maintenant. D'accord. Le point du fist. Ah, le point du fist. Fistier au fond du fun. C'est comme ça alors. De quoi ouais. Les jobs ouais. Bah si on a mis prêt c'est qu'on est bon. Sinon tu mets pas prêt. Puis si on est à, si on y va à 4 en désynchro, ça prend quoi en termes de temps? C'est rapide. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de tergiverser. En 3 jours on l'avait fait avec Maya. Est-ce qu'on coupait ça au 2-3 jours?
C'est juste que les raids d'Alexander, j'y trouve moins bien que tous les autres raids, quoi. En vrai, vu un truc qui serait mieux pour toi, c'est que vu que toi tu les as déjà fait, tu devrais mieux essayer d'avancer. Hein. Mmh. Ouais, c'est vrai. Bon, après, si tu veux venir, tu viens. Mais... Parce que nous, on est prêts pour les raids aventure. Ah, moi aussi, bien sûr. J'ai élevé dire justement ça. Quel déjà celui-là là. C'est noté. Ah non, c'est... oh putain. C'est relou. Mais la commotion, t'as one shot? Ouais. Putain. Mais. Quoi? Elsie, non, pas là-dedans, il la tank. Attends, t'as je crois qu'on doit le demander que lui. Là, je sais pas ce qui se passe, c'est au one shot là. Oui. Vas-y, je joue. Ça s'appelle la défaite. Bon, pas grand-chose. Casse-toi! Je t'ai vu courir vers les coffres là, la panique! J'étais tentant. J'avais envie de le faire. Mais quel bâtard. Faut pas faire ça dans la vie. Non. Mais du coup, moi, je m'en vais dans mes quêtes principales. D'accord. Et la miss? Yep. Changer de stream maintenant. Ah non, mais tu. Tu fais chier. En route pour Alexander. Genre... Tu sais, si j'avais le droit à mettre des insultes dans les titres des streams, j'aurais mis un autre titre, tu vois. Du coup, tu boudes. De toute façon, on voit. Voilà, tellement pas d'idées d'inspiration, ploup. Tu sais que ça sert à rien de mettre prêt si j'ai pas d'aller à la quête encore, tu vas trop vite. Hein. Je l'ai celui-là. Bah, je boude mais avec un sourire ouais. Quand même.
Putain, je voyais 6 heures en haut à côté de la mini-car, je me dis, putain, il est déjà pas 6 heures du mat. Non, c'est l'heure... C'est l'heure RZN. Je me suis dit, putain, il est déjà 6 heures du mat. Mais non, même pas. Possible. Je me suis dit, putain, elle était courte la nuit, là. On a le Red Jamin qui serait pêché d'homme, là. Ah, tu crois ? Salut, c'est moi. Même là, si j'ose parler trop fort, c'est la panique. Ah. Petite fille, faut qu'elle aille de dos. Attention, attention. Hein. Pas demain, elle va pas suivre en vélo. Oh putain, mais c'est à 14h qu'on part. Tu viens de juste te réveiller en fait. Ah bah non, c'est rien, pardon, il y a ton père. Eh oui. Tu veux rester ici, non ? Tu restes au lit ? Alors vraiment, je tiens à ma vie en fait. Voilà. La main clé ta porte. Bah là je non, sinon après j'ai plus de porte. Ça va être moins pratique. Ah, j'aurais dû appeler ce stream comme ça. Le point du fist. La dernière fois qu'on l'a fait, c'est le qui a eu. Bah, tu sens vraiment qu'on est tous 80. Pourquoi ? Parce qu'on a, on est juste resté dans les AOE. Personne qui a bougé, genre vraiment. On a tous vu les AOE, on s'en est battu les couilles. Et vraiment, c'était vraiment à gauche, genre. Casse les couilles. Putain, ça va être encore où dans mon inventaire cette merde. C'est toi qui l'a eu ? C'est toi qui l'a eu ? Bah oui, c'est lui qui l'a eu, moi j'étais. Ah oui, c'est moi qui l'ai eu. Ah non, mais le truc, tu sais, quand tu ouvres un coffre, il y a forcément des trucs qui spawn dans ton inventaire. Enfin, c'est pas obligatoire, mais en général, ça spawn. Oh lol ! Mon sérieux, il vient de me ramener du blanc immaculé ? Ah. Ou bien ? Moi, à ta place, je me demanderais où il l'a eu. De peindre l'arme relâche. Allez, le bras du fist. Ça fait. Ça, par contre, ça doit être douloureux. Hein. Bon. Je peux faire la suite. D'accord, t'as le prochain. Yep. Allez, le bras du fist. Heureusement, les quêtes, quêtes de déblocage sont pas très longues. Et en fait, il y en a quasiment. Il y en a pas. Il y en a pas. Bah, c'est juste au changement, tu sais, quand tu passes du père au fils et du fils au créateur. Oui, tu dois aller parler à 3-4 PNJ en vrai, à la con, puis voilà. Ouais, tu fais juste passer, puis voilà. C'est bon, ça prend. Et puis bon, moi, je peux voler dans les zones d'Evansward. Ça, c'est bien aussi, quoi. Ça aide aussi. Pourquoi je sens qu'il y en a une qui vient là ? Je demande plus de respect. Pourquoi ? Parce que tu peux pas voler dans Evansward ? Mais j'en savais rien, moi, que j'en foutre ça. Mais c'est pas qu'elle le fait si bien, c'est qu'elle est comme ça. T'es une gamine, Juju. Mais ça, je sais. Hein. Bon, heureusement que je sais, c'est tout. Putain, ce décor qui ressemble à la cité de FF13. Non, les Alexander en vrai ils sont pas intéressants pour 3 sous, je trouve. Les Red 70, les Red Bahamut sont cool. Bahamut, t'as une bonne histoire. T'as une bonne histoire après, on va. Voilà quoi. Puis c'est une sortie scolaire. Oui, voilà, c'est la sortie scolaire. Mais l'histoire est cool. Ouais, c'est vrai. Les 70 aussi, l'histoire elle est plutôt cool. Hein. J'ai même pas encore fait les 70. Je sais même pas ce que c'est. Ça va être pour ma gueule, non ?
Bah ouais, bon, allez, rien de bouger. Pas une gueule de porte-bonheur, ça. Nique le cadenas devant les barreaux. Nique le mitard. Faut pas l'aider là. Il faut qu'il tue son meuble. Hein. Moi je dis que le boss il devrait encore plus prendre son temps. Quand le boss me fait une attaque et que moi je suis niveau 80, bon bah les couilles frère. Il est plus loin la sortie encore là. T'es un fils de pute, Chronos. Ça vient du cœur, j'espère. Là, ça vient de tout ce que tu voulais. Ça vient du cul, comme j'aime bien dire. Oh, mais c'est la maison Alex. Ouais, celle au-dessus de la CL. C'est que, imagine, je me serais trompé encore plus connement, j'aurais acheté une maison moyenne. Ma maison perso aurait été plus grande que celle de la guilde. Ouais. Mais toujours pas un blé. Ouais, y'a toujours rien dedans. Le fardeau du fils. Bah oui, t'as mais voilà, je vais pas la meubler, j'ai plus de fric après. Bon, je peux avoir le fardeau, vas-y, tu peux lancer. D'accord. Et est-ce que c'est le dernier du fils, celui-là? Il y a 4 par... pardon. Point, poignet, bras, fardeau. Après, t'as les créateurs. Pardon ? Attends, ce qu'elle vient de me ramener, ma servante, là, ça vaut 245 000 unités. Elle m'en a ramené deux. Et à côté, t'as un Maya qui est devenu pauvre. Après la soirée qu'elle a passée. Ça, c'est la faute à certaines personnes qui sont pas venues. Hein. Je ne citerai personne. Moi j'étais là, mais. Non. Elsine, Elisabeth. Une guilde. Je crois que c'est une guilde. Et en plus, j'ai hésité à y aller. Hein. Elle a demandé à Jus. Hein. Et putain, j'y vais, j'y vais pas parce que j'avais quand même dit que je viendrais pour l'événement. Donc. C'est un barbecue. Ouais, voilà, c'est la faute à Julie hein, parce que c'est elle qui m'a convaincu d'y aller. Par contre, quand je tire la faute sur les autres, ça reste toujours pas sympa. Pas. Et l'ex qui s'est pressé, tu veux dire? Non. Quoi? Pour une fois t'es pas arrivé avec 30 minutes de retard? Ta gueule? Il est arrivé en retard, comme d'habitude. C'est bon, je suis arrivé avec 14 minutes de retard, très exactement, j'ai calculé. Voilà. Le pire que t'as fait, je crois que c'était 45. Oui, le pire que t'as fait, l'ex, c'était 45 minutes de retard, en tout cas. Crois-moi, j'ai fait bien pire que ça. Hein. Non mais, en donjon, en event dans cette ville-là. Ah oui, non, mais j'ai fait bien pire en retard, t'inquiète. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir plus de 2 heures de retard. Hein. Non, mais c'est plus du retard, là, c'est une absence. Bah non, puisque à la fin j'arrive, mais y'a plus personne. Mais comme je suis venu, moi j'appelle ça un retard. Ils vont fusionner comme Megazorg. Pourquoi ça ne me surprend point? Et je vous
cours. Et tu t'accroches à la vie. J'aimerais bien pouvoir voler. Voilà. Mais va pas leur faire les vents éthérés. Bon, c'est pas dur à faire ça, les vents. Non, tu le fais pendant la mission, le scénario, et puis voilà. Ce que j'ai fait, moi. Les péchés du fils, vous faites terminer. Il les a pas ouverts. Dans la toute dernière, il y a une monture à avoir. Pas de mescotte plutôt, s'il te plaît. Une mescotte. Oui, c'est pas moi qui l'ai eu en plus, c'est la fois qu'on l'a fait. Ouais. Bah, tu veux revenir après Non. Amaya ? Non, je suis trop loin. Ouais, enfin, elle... j'ai pas envie, j'ai la flemme. Elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup de chance sur les montures, donc elle veut absolument débloquer les montures. C'est une mascotte. Oui, mais débloquer l'accès aux montures. Il y a deux montures. Ouais. Dans le sadique Alexander, il y a deux montures à avoir. Sérieux ? Ouais, en sadique, quoi. Ah oui, je suis con. Pourquoi je dis ça, tu l'avais dit. Dans les sadiques. Mais dans les sadiques, ils tombent à 100%. Les montures. Oui. Après, il faut les faire, les sadiques. Heureusement. Ça a monté le prix de la monture dégueulasse, là, ou pas? Elle a encore plus de 10 minutes. Ouais, bah prends-la, alors. Non, mais... Il y a un mec, il la vend à 500 000. Le premier, il la vend à 11 000. 11 000? Ouais. C'est donné ça. 11 000 la monture de guilde. C'est donné, tu peux la prendre alors. Bah, j'en ai encore deux dans mon inventaire. Oui. J'en ai donné une à Maya. Et les autres, je sais pas. Je sais plus à qui. Ah, moi aussi, j'ai donné aussi une monture à Maya. Alors, c'est pas à Maya que j'ai donné alors. Mm. C'est à qui que j'ai donné l'antilope serre? Ah, j'étais persuadé que c'était à toi, Julie, que j'ai donné. Vous l'avez fait la nouvelle monture de Defest? Oui, non. Je l'ai 4 fois moi. Bah c'est celle-là justement, l'antilope serre. Non, je sais plus. Non. Je l'ai donné tout à l'heure à Maya. Putain, mais je suis persuadé que c'était à toi que j'avais donné, je l'ai dit par contre. Je l'ai donné à Eka. J'ai donné à Eka ou je l'ai donné à... J'ai donné c'est à pas Fabien. L'antilope serre la dernière, c'est l'antilope beach. Ah bah non, celle-là j'ai pas. 500 assignats. Oh, j'avais pas vu, j'ai droppé la carte de Lakshmi. Ah, faut peu pour que je sois content. Et... Par contre, quand on farmait les donjons, il a jamais voulu me la donner, hein, sa carte. L'autre gars, Elida, Lynn. Ah, t'as pas eu de chance. Non, non, il met 4 fois Alizé, 4 fois. 4 ou 5 fois Pimpin là, un pipa. Et par contre, ouais, Tordan. Pardon, pas Tordan. Le mec il a confondu avec Wakfu quoi. Moi j'ai eu du premier coup avec Tordan. Moi j'ai eu du premier coup avec Tordan. Mais. Ouais, c'est vrai, putain. Ouais. Mais si j'ai confondu, j'ai une excuse. Ouais, tu t'es refait la série Wakfu récemment? Non, c'est que. En ce moment, je vois quelqu'un, son nom de famille c'est Perceval et c'est un rapport justement avec Tristopin donc. Sauf qu'il s'appelle pas Perceval. Perceval, j'ai dit. Ah, Perceval. C'est bon pour le raid, tu peux lancer. Les yeux du créateur. On part sur la fin là. Ouais, comme ça c'est fini, puis voilà. On sera à jour. Je parte sur l'anti-tour moi après là. Si tu la mirage à ton avis, il n'y a que le fourreau qui change ou la lame aussi elle change de couleur. Enfin si tu l'atteins. Je vais essayer. Moi dans le... Alors ça vaut ce que ça vaut, mais pour le chevalier noir c'est seulement la lame quoi. Ouais mais le chevalier noir il a pas de fourreau. Ah mais voilà, mais je te dis ce que ça vaut. C'est pour ça que je t'ai dit ça vaut ce que ça vaut mais... Ouais, là, si tu peux changer la lame et la mettre d'une autre couleur que rouge, ce serait stylé. Plus, quoi, le problème, c'est que mon armure actuellement elle est rouge, donc ça passe bien. Donc.
Mais en vrai, les teintures sur les armes, ça se voit pas des masses. Hein. Encore moins quand t'as les dernières avec les effets. C'est vrai que la prochaine fois, on pourrait faire les raids 70. Je ne sais pas. Les raids 70. Bah, faudrait que j'ai des blocs du coup. Ouais. Déjà, il va falloir que je fasse les raids en alliance 70, moi. T'as pas fait. Il t'a manqué. T'as pas fait Rabanast? Non, c'est juste que Bart, quoi, commence à faire, enfin, veut commencer à faire son arme relique Dragoon. Du coup, je lui ai montré où était la quête et on allait commencer à faire. Après, il a dû aller manger. Et résultat, quand il est revenu, bah moi je me cassais. C'est dommage, j'aurais dû faire, c'est vrai que nous. T'auras du contenu pour ta chaîne là. Ah bah beaucoup. Allez. Trop même. Dis-toi que j'ai déjà plein de VOD en avance là. Mais toi qu'on a carte au trésor, on a fait du farm monture. Ouais, même si. Mais ça va pas se mentir, la carte au trésor finit sur une sale note. Ouais, c'est sûr. Bon, la fin tu le couperas, d'accord. Je peux pas mentir. Je peux pas mentir. On est mort. Hein. On est mort. Mais pas de vol. Je laisserai un petit commentaire. Le problème, c'est que c'est compliqué à 3. Ouais, c'est vrai. C'était Amaya hier, non? Non, c'était moi. Ouais. Mais c'est fait stun. Mais je me suis fait stun, tu sais, par. On était en. Tu sais, en invocation majeure et. Non, ah. C'était un boss qui. Enfin, c'est un boss la qui te stun. En plus, ouais. C'est la richesse. Donc, c'est un. Ah, c'était le poids. Ah non, c'est pas le poisson d'or. Non, non, c'est un gros. C'est un gros machin qui est une espèce de massue. Et en fait, au bout d'un moment, t'as un curseur au-dessus de ta tronche. Et en gros, il te saute ouais. Dessus, il te stun et t'as une AOE en fait. Et au bout d'un moment, t'as plus de trucs, mais tu peux te barrer de l'AOE si t'es assez rapide. Le problème, c'est que moi, il m'avait stun Lynn, il avait plus beaucoup de vie quoi. Oui. Donc, du coup, bah, il s'est fait one shot par un AD, enfin, il fait tuer par un AD, et derrière, bah, on s'est fait enchaîner quoi. Ah, parce qu'en plus, t'es synchro là-dedans. Bah, oui, t'es synchro quoi. Ah, oui. Je crois que je l'avais ressuscité, ouais, mais bon, il a plus de vie quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse quoi. Ouais, puis c'est pas comme si le Maru il avait une grosse régène quoi. Bah c'est sûr qu'il a, oh, il a pas, non, il a pas le mort vivant du Shiner, c'est sûr. Le souffle du créateur, tu peux lancer. D'accord. Oh celui-là qui a la plus grosse sustain, je pense, ça doit être le piste savoir. C'est le combo de base que tu peux faire où t'as 3 coups. Tu t'arrêtes juste à 2, tu fais 1-2-1-2-1-2, tu vas jamais jusqu'au 3. Ta vie elle fait que remonter. Genre après c'est comme pour le. Ah non, le chevalier noir lui c'est son troisième du combo qui le régène de la vie. Et le maraudeur aussi. J'ai même maraudeur aussi, il a un combo. Mais tous les tanks ont un combo, c'est juste que le pistol, lui, c'est son deuxième sort qui a sa régène de vie. Ouais, mais non, le tank, enfin le baladin, son troisième coup, il redonne pas d'HP. Hein. Parce que lui il a un heal contrairement à tous les autres. Ah mais il est beaucoup plus tard. J'ai trop. Bah ouais, mais c'est comme ça. Marauder il a 3 heals, guerrier. Il en a un combo de HP, un vrai heal et après l'autre c'est vraiment un combo quoi. Bah tous les tanks ont moins un heal. Non, le combo c'est le quatrième de base. Mais j'ai un sort, je l'active. Et ça me rend le temps du bébé. Parce que le Marauder il joue sur la santé. Ça va me rendre 40 000 de dégâts. Mais le maraudeur il joue sur la santé, le paladin sur la défense, le pistolet sabreur extrêmement sur la défense finalement. Et le chevalier noir il mise plus sur l'annulation des dégâts quoi. Paladin c'est le blocage du coup. Ah, y'a pas que lui, y a aussi ouais. Le pistolet il a aussi beaucoup de buffs d'armure. Hein, si tu regardes, non, en vrai, blocage. C'est vrai. Alors que tu vois par exemple, tu prends le chevalier noir lui il fait beaucoup d'annulation de dégâts en fait. C'est-à-dire en gros il fait en sorte bah pendant tant que tu dépasses pas un certain seuil, tu prends pas de dégâts. Ce qui peut être bien, mais le problème c'est que si tu commences à te prendre masse de dégâts, mais alors là laisse tomber, tu vas te faire défoncer quoi. Bah si t'as pas le temps de réduire les dégâts des gens. Oui bah c'est ça quoi. T'as pas,
tu vas pas tenir longtemps quoi. Non mais c'est pour ça que je dis chaque... Ah oui, c'est ce moment là. C'est pour ça que je dis chaque temps qu'ils sont... Ils ont leur truc quoi. Du coup Lex là, si jamais tu connais pas. Oui bah attends, de toute façon je suis même pas dans la zone quoi. Ah oui. Voilà, là j'arrive. Donc en gros, quand c'est le cristal qui brille, faut que tu te mettes au milieu. Quand c'est l'espèce de boule là, pique là, faut pas que tu te mettes sur les ronds. Et quand c'est les pics là, faut que tu te mettes sur les ronds. Aïe. Je vais prendre un truc, on dirait un gag Disney quoi. Ça, il faut les casser la balle. Hop, recule. Ah l'enculé. Bon, moi je vous regarde, hein, du coup. Ah oh, et puis vu qu'il les a pas fait, du coup là on est en train de se faire masse Memo Quartz depuis tout à l'heure. Il va me remonter à 2000 putain. Moi j'étais déjà plein moi. Je suis pas pareil. Je viens de dépenser 1000 pour faire l'arme relique du Samu donc. Pourquoi? Pour les écailles? Ouais. Bon, attends, les écailles je m'en étais acheté plein à l'époque où il y avait que cette amélioration de dispo. J'en ai des chiens en stock, des écailles. Je crois que j'en ai plus de... Ouais, j'en ai... Je crois que j'ai deux stacks de 99. À trouver... Oula, mais t'en as un peu beaucoup trop, là. Ouais, bah j'avais prévu large, en fait. Ah, mais genre, il en faut 4 par arme relique, quoi. Ça va, 9 euros autant. 4 par arme relique, et il y a combien de classes Ouais, mais je savais pas quoi foutre de mon quartz poétique. Donc je me suis dit, tiens, j'en ai acheté. Je savais vraiment pas quoi foutre de mes poétiques à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux que j'en foute. Mais c'est vrai que quand t'arrives à 80, même 70... Enfin, si en fait, quand t'arrives à 70, début 80, enfin 80, franchement, les mémo quartz poétiques te servent plus à rien, quoi. Alors que, quand t'es au début du jeu, de niveau 5, 1-50, 50-60, et même 60-70, tu chies ta race pour les avoir. Pour... Tu sais, vraiment t'en chies hein, pour les avoir, hein, puisque tu fais tes roulettes, tu fais tes machins, t'essayes d'en avoir plein, et puis à chaque fois t'en as pas assez. C'est bon, j'ai débloqué le raid, tu peux le lancer. Et à la fin t'arrives, t'en as toute une chier, tu sais pas quoi en foutre. Parce que t'en as plus besoin. Bah si, c'est bon. Ah attends, non, j'ai oublié de dire un PNJ. Ah si, c'est bon. Oui, si, c'est bon. Bah c'est bizarre, pourquoi il me disait, d'aller parler à un autre PNJ? Ça doit pas être la même carte. Ah oh oui, c'est... c'est ce moment-là, ça va être marrant, là. Ah oui. Pourquoi? Oh, il y a une phase contre le boss qui est assez marrante.
faudra aussi qu'on fasse Bolja. Pour les rangs. Du coup j'ai continué d'avancer un peu perso. Ça peut être plusieurs Bolja là-dedans. Bah Bolja faut y aller en haut. Tu vois le mec avec qui on avait farmé les events là, Tanjiro. Ouais. Bah du coup vu que j'ai dans ma liste d'amis, quand il me voit à Bolja, il m'envoie MP savoir s'il y a du monde dans mon groupe. Du coup. Au revoir, Lex. Vous auriez juste pu me prévenir, mais bon. Attends, je le ris là. Dernier maintenant. Et après, on va le coffre. La mascotte. Épique. T'es rendu au quête de quel niveau là, Jus? 68. Un triste repli. Ah oui, t'es à la fin des 68. Peu de courage. Elle est arrivée au niveau du blondinet. De quoi? Zenos. Ah, la blondasse de. La fausse blonde de Garlemald. Ouais. Elle-même en personne. Oui, moi, il me fait grave penser au méchant d'Harry Potter, là, le Lucius Malfoy. Ouais, j'y arrivais. Ouais, qui a les cheveux blancs, ouais. Ouais, ouais, c'est lui qui a les cheveux hyper blonds, blancs, pratiquement. Ouais, ouais. Toujours. Lucius Malfoy. Lucius Malfoy. Lui, il y a un truc, il me semble. Lui. Ah, mais là, vu qu'on est que 3, ça va passer, tu penses? Parce que la dernière fois, on l'avait fait à 4 et on avait tanké tous les 4 si trucs. Si jamais, on demandera à Maya. Ouais. Maya nous saura. Attention. Bien qu'elle est contente quand elle apprend des choses aux gens. Hey! Bon, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. J'ai dit, c'est si rare.
merde, malus de dégâts. Qu'on peut avoir. Aïe aïe beau gosse. Ouais, moins impressionnant qu'Hadès. Bon ouais, il ressemble à rien ça, Alexander, c'est chaud. Attends, je mets mon bouclier. Ouais. On vous dit quand il a fini. Enfoiré. Tu diras pas la même en sadique. Ouais. Tu diras pas un livre là bon. Pour l'île. Là, là, ouais. Faut aller dans une des boules, Alex. De quoi ? Une des boules. Oui, c'est fait. Et Ah, mais oui, non, c'est vrai que c'est ça, c'est pas un truc à tanker, je suis con. Là, il y a déjà quelqu'un. Ah, bah, celui-là qui est. Il est à ta gauche, Lynn. Ah, bah, on a échangé. Là, qui manque. Ah, regarde au milieu, Alex. Il lui avait fait ça. J'ai... Voilà. Vas-y, on va que le coffre. On va que celui-là. Bon, perso, je l'ai déjà, donc prenez-la. D'accord, moi j'ai déjà aussi, moi. Rolex. Ok. Je crois que je l'ai déjà eu. Mais bah vérifie en vrai. Ben ouais. Ouais, si j'ai bien, c'est moi qui l'ai eu quand on l'avait fait avec Link. Voilà, voilà. Maintenant, tu pourras débloquer les sadiques. Bah, j'avais déjà le père en sadique, donc j'ai débloqué les deux séries des autres. Là, et puis, ouais. Ça sera fait. Ah oui, c'est vrai que j'ai cette carte de mort que je peux pas débloquer, faut que j'aille la revendre. Prochaine fois, on pourra faire les 70. Ouais. Et 70. Ouais. Delta 6, Sigma 6 et Alpha 6. Ouais. Oh. Ah, bah oui, il y a du pastillé en plus. Ceux-là, ouais, bah, je les ai débloqués en fait. Enfin, j'ai que le Delta 6. Moi, il faut que j'aille juste le débloquer. Juste le débloquer. Voilà, en plus, le débloquer, c'est giga chiant. Oh. Bon, je le ferai à l'occasion. Le combat à faire, il est trop chiant. Mais les derniers combats sont cool quand même. C'est vrai de là. En plus, il y a plein d'armures qui sont stylées là-bas que tu peux prendre après à Idylée.
Bah, au moins, vous êtes à jour sur le Alexander. Un truc aussi, il faudrait que je me mette à jour, c'est les raids 60. J'ai que les deux premiers, pas le troisième. Dans Bahamut ? Non, les raids 60 en Alliance. T'as quoi ? T'as fait en Alliance ? Ouais, l'Arche Généant, la Cité Défendue ? Non, la Cité Défendue, je l'ai, mais j'ai jamais fait. Ouais, bah il t'en manque, bah, il faut faire la Cité Défendue, il t'en manque un après. Ouais. Ouais, c'est pas les plus intéressantes en vrai, mais... D'accord, ils en profitent, ces fils de pute. Ce serait tellement plus fun de faire les raids normales en synchro. Je pense qu'on n'a pas la même définition du mot fun. Non, enfin franchement, c'est pas fun du tout pour 3 sous. Je parle au niveau des combats. Ouais, même chose. Oui, non, mais... Moi, je suis d'accord avec Elisabeth sur ce coup. Hein. Certes, les animations sont sympas, mais les combats... Oui, voilà, faut juste poser un jour de congé, appeler ton patron, fermer ta porte à clé, couper le gaz et l'électricité, puis à part ça, tout va bien. Principal, le jeu, après, ça n'a rien à jouer. Couper l'eau. Couper l'électricité, je suis pas sûr que tu vas avancer. Non, mais tu te mets sur un groupe électrogène indépendant. Voilà, t'as tout prévu. Tu te mets une petite perf. C'est sûr que si vous faites tout en de synchro, après... Oui, par contre, tu fais tout. Imagine. Non, mais imagine, tu dois tout faire en synchro. Ah putain, la barbe. Et dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont tout fait en synchro. Parce qu'ils faisaient à l'époque ce qui était pas possible de faire en désynchro. Quand ça sortait, il fallait bien le faire. Bah, sinon, t'attendais la prochaine extension. Mais maintenant, c'est. En vrai, pour certains trucs 80, j'ai juste attendre qu'on passe 90 pour faire certains trucs 80. Hein. C'est faisable aussi. Genre les... Il y a que les raids de l'Alliance que tu veux faire en synchro. C'est vrai. Enfin, tu peux, mais il faut un groupe de 3 joueurs en fait. Ouais. Même pas. Ah bah non, même pas, le premier tu peux pas. Le premier tu peux pas, faut un groupe de 15 joueurs minimum. Avec ma guilde de Mugen, on était 24. Oui, voilà. Faut être 15 minimum si tu veux faire le premier raid. À cause de la phase chiante. La phase avec les cercles aussi. Bon, et bah du coup, nous, on va couper le live ici. Je vous remercie d'avoir suivi ce très long live. Et je vous dis à plus pour de prochains lives. Je vous mets l'écran de fin. Salut à tous.